Salut la Fit Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de votre programme Objectif Zéro Excuse numéro 5. Et je vous rappelle toujours de télécharger l'intégralité du e-book avec les plannings du programme dans la description, c'est gratuit. C'est pour vous, si vous puissiez faire et refaire les séances autant de fois que vous voulez. On va enclencher aujourd'hui une séance abdos de 15 minutes sans matériel, avec un max de motivation. J'espère que vous êtes chaud. C'est parti! Ok la team, on va se positionner directement sur notre tapis. Aujourd'hui, vous avez besoin d'aucun matériel. Ça va être un no repeat et on va travailler en 40-10. On se positionne sur le dos ici. Et on attaque tout de suite. Et on vient toucher ses chevilles. Super. On décolle bien, on n'est plus à ras le sol. On décolle aussi la nuque. On regarde en direction du plafond. Et on vient chercher bien sur les côtés ici. Ça sert à rien de faire trop vite la bascule. Bien chercher loin sur les côtés. Super. On va vraiment sur ces séances-là qui sont courtes, qui sont focus abdos, vraiment travailler sur le ressenti, la contraction. Là, si tu sens pas tes abdos, essaie de te redresser encore un petit peu plus. Super. Gauche, droite, gauche, droite. Et on relâche. Parfait. On va rester ici sur le dos, on va partir en crunch, coup de poing. On peut totalement adapter, intégrer dans ces séances des exercices de crunch, puisque ça ne fait pas toute la séance. On se redresse, coup de poing, et on redescend. On se redresse, coup de poing. Allez bien, kick ta semaine. Ensemble. Super. Accroche-toi. Encore. Et encore. Gauche, droite. Et on redescend. Super, c'est bien. On reste à nouveau sur le dos. On va voir des transitions qui sont relativement faciles, ne vous inquiétez pas. On vient tendre les bras en direction du ciel, mettre les jambes à 90 et on vient alterner un bras plus une jambe. Ici, le plus important, c'est de garder les lombaires plaqués au sol. C'est ça qui va vraiment faire la sensation et le travail sur les abdos du bas du ventre. Jambe gauche, bras droit. Bras droit, jambe gauche. Et on alterne, encore. Allez, on reste concentré. Contrôle son mouvement. On est fluide. On est solide. Encore. Deux. Et un. Super, c'est bien. On va rester ici. On va se redresser un tout petit peu. On va venir ici. Tendre les jambes en ciseaux. Et on va battre les jambes. On peut rester aussi. Buste collé au sol. Et on reste en ciseaux haut. Ça vous permettra d'éviter de voûter le dos ou de le creuser. Et on tient. Et on accélère. Encore. Allez, c'est bien. C'est une super routine que vous pouvez conserver même en dehors du programme. Bon, à la fin d'une séance de muscu, elle est parfaite. Express. Et on travaille bien en profondeur. Encore. 3, 2 et 1. Super, c'est bien. Et on relâche. On va se redresser ici et on va partir cette fois-ci en pédalo. Tends les jambes. Et on vient pédaler. Comme si on était sur un vélo un petit peu inversé. Allez, on fait travailler le moulin. Super, c'est bien. Si c'est trop difficile, à un moment donné, tu reposes les jambes au sol. Mais tu t'accroches. Allez, on lâche rien. Encore. Tends bien les jambes. Accroche-toi. Allez, 15 petites secondes à tenir. Super, 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 c'est bien. Encore. Deux. Et un. Super, c'est bien. On relâche. On va se remettre à nouveau sur le dos. Et on va partir cette fois-ci en vélo. Gauche, droite, gauche, droite.
Allez, 25 secondes à tenir. On s'accroche. Gauche, droite. Allez, on accélère. 15 minutes, on doit sortir de cette séance avec les abdos en feu. 5, 4, 3, 2, 1. Super, c'est bien, et on relâche. On va venir cette fois-ci. Relevez les fessiers et on part en gainage inversé. Et on tient. On monte bien haut le bassin. On contracte les fesses. On n'a pas les jambes trop écartées. On les garde dans l'alignement des hanches. Et on gaine. On gaine, on gaine, on gaine, on gaine, on gaine. Encore. Et on relâche. Respirez bien pendant les séances d'abdos. Ne te faites pas d'apnée. Et on respire. On s'accroche. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. Super, c'est bien. Ensuite, on va partir en holo, groupé et tendu. On est prêt? 4, 3, 2, 1. C'est parti. Holo ici. Et groupé. Tends les jambes ici. Viens vraiment plaquer les lombaires au sol. 3, 2, 1. Et un regroupe. Super, c'est bien. Tends de plus en plus bas, sans décoller le dos. Et tu groupes. Encore. Plus bas. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu groupes. Allez, super. Encore un peu plus bas. Garde bien le dos plaqué. 4, 3, 2, 1. Super. C'est bien. Allez, maintenant, on va passer au gainage sur les bras et sur les coudes. C'est parti. On va partir déjà en gainage simple. Classique, mais essentiel. Face à soi, ici, on garde les points clés. On ne monte pas trop ses fessiers et on reste gainé pendant 40 secondes. Fixe ton tapis. Reste concentré. C'est bien. Allez, baisse les fessiers, rentre le nombril. C'est moins glamour que quand tu fais semblant sur Insta à cambrer. On va rentrer le nombril. Et c'est là qu'on est le plus efficace. Là, tu dois aller sentir tes abdos avec les séances précédentes aussi. 3, 2, 1. Super. Repose. On va partir en gainage latéral. C'est parti. Ici. On tend le bras, on tend la jambe et on va venir coup de genou. On reste bien solide sur ses bras. Encore. Tu vois ici, on vient kicker genou et coude. Encore. Allez, c'est bien. Solide. On n'est pas là pour être ici, on le veut, ce ventre en béton. On va le chercher. Encore. Allez, zéro excuse. On ne se plaint pas. On sort de sa zone de confort. On ne fait pas des variantes d'exercices parce qu'on ne les aime pas ou que c'est trop dur. Vous croyez quoi? Le sport, ce n'est pas une balade de santé. Il faut sortir des séances éreintées et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Encore. On change de côté. On se positionne ici. Le sport, c'est fait pour être difficile. Si vous êtes trop confortable sur une séance et soit vous n'allez pas vite, soit vous n'avez pas chargé assez lourd, soit vous n'avez pas mis assez d'intensité ou de rigueur dans votre mouvement. Allez, croyez en vous et on va chercher cette shape. Ensemble. Zéro excuse, comme le nom du programme. Encore. Allez, 12 secondes. Super, c'est bien. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, et on pose sur le côté, super. On rebascule sur l'avant. Et on va partir en gainage commando. 3, 2, 1, let's go, c'est parti. Ici, et on pousse fort. Et on redescend. On ne monte pas les fesses trop haut ici, on n'est pas en chapiteau.
et on accélère. Encore. Ultra complet le programme. Encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on repose au sol. C'est bien. On va partir en climbers croisés. Cette fois-ci, on va vraiment aller chercher vraiment la contraction. On vient tendre les jambes. Et on vient chercher dans la diagonale. Et on souffle bien. Solide sur ses bras. On essaye de les avoir le plus proche possible de ses épaules. Vous pouvez vous replacer pendant les exercices. Pour un max de sensations, allez, 3, 2 et 1. Super. Parfait. On va partir en pompanté. Si vous pouvez boire un petit coup, allez-y. Et c'est parti. Pompe. Et en T. Poitrine au sol. Et on bascule. Et on accélère. Allez, plus vite. Hop. Allez, 15 petites secondes. Tu peux les faire. Allez, accélère. Allez, fais-moi encore des reps. Tu peux. Allez, encore. Super. Allez, 3, 2 et 1. Super, c'est bien. Parfait, la team. Allez, on lâche rien. On va se positionner ici en bière planque. On a décollé les genoux. Déjà, ici, on fixe bien. Et on vient ensuite toucher une épaule, puis l'autre. On essaye de ne pas trop basculer d'un côté ou de l'autre. On reste fixe. Gauche, droite, gauche. Droite, encore, gauche, droite, allez, super. Cinq, quatre, trois, deux, et on repose. Parfait. On va passer en planche. Touch côté. Ici, planche, c'est en coude. On s'accroche. Et on vient toucher de côté, avec la jambe, puis avec le bras. Gauche, droite, bras, jambe gauche, jambe droite, bras droit, bras gauche, encore, à gauche, à droite, et tu alternes. Allez, mets moins de l'intensité, viens chercher, loin sur les extérieurs, gauche. Droite. Encore. Gauche. Et droite. Super. Allez, vous y êtes presque. C'est intensif. Lâchez rien. Mettez-y de l'intensité. On va venir en crunch sur le dos. Et on vient ici. Uniquement. Décoller la jambe. Et on vient chercher en diagonale. Viens ressentir le mouvement. On décolle. Décolle l'épaule. Et on vient chercher le genou opposé. Travaille les obliques. Garde surtout, très important, les lombaires plaqués au sol. C'est presque le plus important. C'est pas forcément le mouvement ici. C'est vraiment que tu ne puisses pas passer ta main sous ton dos. Encore gauche. Droite. 3, 2 et 1. Super. Et dernier exercice. Votre préféré, les sit-ups. On est prêt? Let's go. Et c'est parti. Troisième semaine. On le connaît, on le maîtrise. On n'est pas là pour être ici.
Vous êtes des sportifs, des sportives. Allez, zéro excuse. On se plaint pas, on fait le job. Encore. Si c'était facile, tout le monde serait fit. Allez, c'est dans la difficulté qu'on progresse. Encore, accélère. 5, 4, 3, 2. Yes! Yes! Bravo à tous, bravo d'avoir effectué cette nouvelle routine abdo. Dites-moi dans les commentaires si c'était bien la piquance, la date et l'heure à laquelle vous avez effectué ce workout. Et moi, je vous recommande vivement d'enregistrer toutes les séances abdo du programme Objectif Zéro Excuse et de les refaire régulièrement parce que c'est des routines aux petits oignons. On se retrouve demain pour la prochaine séance. C'est bientôt la fin de notre challenge, mais ne lâchez rien, je compte sur vous. Ciao, ciao!